Mesdames, Messieurs, vous comprendrez que nous souhaitons tous les quatre vous remercier tous. Remercier également nos petits musiciens et leurs deux professeurs qui ont réalisé un exercice particulièrement difficile puisqu'ils ont commencé leur répétition en fin d'année scolaire dernière avec un professeur qui n'était plus là à la rentrée. Et qu'ils ont terminé leur préparation avec l'autre professeur qui est venu à la rentrée. Ce qui a supposé entre Madame Durand, qui nous a quittés au mois de juin, et Madame Stubb, qui nous a rejoints au mois de septembre, un travail en collaboration particulièrement efficace. Je pense que vous l'avez mesuré. Donc merci à eux. Mesdames, Messieurs, le second temps de la cérémonie va se dérouler à l'intérieur du collège et sera consacré à l'inauguration de l'exposition sur l'histoire de l'école Michelet. Nous n'avions pas prévu une météo aussi agréable mais aussi chaude, mais fort heureusement. Vous serez ensuite conviés au vin d'honneur préparé par les services municipaux. Les tables ont été dressées dans la cour du collège. Ce soir à 20h, pour ceux qui le souhaiteront, vous pourrez assister à la conférence sur la persécution des Juifs en France et à Tours, salle Sangor du lycée Descartes. C'est pour moi l'occasion de remercier Monsieur le proviseur du lycée Descartes et toute son équipe pour avoir permis au collège de prendre momentanément possession d'un très bel espace qui est la salle Sangor. Merci à vous tous et un grand merci, très appuyé aux trois professeurs qui m'entourent. Pour rejoindre le collège, le plus simple, c'est sans doute de prendre ce trottoir le long de nos grands murs blancs ou éventuellement de vous aventurer par la rue Parmentier, c'est également possible. À tout de suite.